Jour 27 au Japon, après 40 minutes de bus. Je me baladais dans la rue et flatty pack, je vois un temple qui spawn devant moi. C'est ça qui est cool à Kyoto, c'est qu'il y a tellement de temples et de sanctuaires que même en une semaine, t'auras jamais le temps de tous les faire. Direction le Umekoji Park pour aller m'entraîner, encore un endroit où il n'y a aucun touriste et que des locaux. Vraiment, la pelouse, elle était comme au parc de Nara, c'était incroyable. Je te fous de ma gueule, gros, c'est ça les barres d'attraction. Bon, on va faire avec les moyens du bord, hein. Ensuite, j'ai fait le temple de Toji avec l'outfit de Toji, donc c'était trop bien. Je vous avoue que dans ce temple, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai mis mes écouteurs, j'ai fait mon associable, j'ai parlé à personne. Ça m'a permis de réfléchir et j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça tombe bien parce que le but de ce voyage, c'est aussi spirituel, en apprendre plus sur moi, donc j'étais content. Ensuite, je suis allé au Nishiki Market et aux rues commerçantes de Kyoto. J'ai fait quelques magasins. Bon, j'ai rien acheté, mais ça m'a permis de voir beaucoup de belles choses. Ceux qui aiment les friperies, les trucs de seconde main, vraiment, ils ont des habits de malade. Ah, il y a un nombre de rêves dans le magasin, mais c'est impossible que tu connaisses tout. Bref, t'as plein de magasins de vêtements. Wesh, le thème, le taille du Bouddha. On passe d'un truc hyper commercial avec full touriste et tout à un gros temple avec des Bouddhas. Non, ils abusent, j'ai juré, c'est trop. Ensuite, j'ai testé des glaces d'Okinawa Blue Seal Ice Cream. Premier repas de la journée, il est 17. Mec, ça va être incroyable. Wow, mec, c'est incroyable. Oh, je n'attendais pas, c'est incroyable. C'est large meilleur que Marion Crêpe. Hein. Si vous venez tester la première, vous n'allez pas être déçu. Avant le repas du soir, je suis allé au Disney Store. Vraiment, c'était trop cute. Bref, t'as toutes les rêves. Winnie l'ourson, la reine des neiges. Bon, le magasin est 100 fois moins bien que le Pokémon Store. Et ne vaut pas le détour, selon moi. Mec, la skincare ici, c'est un autre level. Ouais, c'est vrai qu'entre les machines qui t'envoient des jets dans la tronche, les machines qui t'envoient de la lumière dans la tronche. Ouah, mec, on dirait un tardigrade pour ceux qui en avaient. Ça fait très peur. Je t'avoue qu'en Asie, la skincare, c'est 100 fois mieux qu'en Europe. Faut que je vous donne cette pépite. Le soir, je suis allé manger à Koisus, un restaurant de curry. La carte est très petite. Et de toute façon, tu viens pour le curry. T'en as deux différentes et au milieu, t'as une large bande de riz. Tu peux bien sûr choisir la taille. Et avec, j'ai pris un assortiment de tempura. T'avais de la crevette, des champignons, des légumes. Vraiment, c'était un délice. En plus, il y avait du sel au matcha à rajouter par-dessus. Et le curry alors, n'en parlons même pas vraiment. C'était un des meilleurs curry que j'ai jamais mangé de ma vie. Parfaitement épicé, j'ai pas la bouche en feu, j'ai juste le goût qui est bien relevé. Ah vraiment, c'était magique. Hein. Quand j'y repense, j'ai encore faim. En plus, le personnel est vraiment adorable, super gentil, super accueillant, vraiment au top. Vraiment, c'était incroyable. Et pour une fois, ça m'a pas arraché la bouche. Il y a plus de 20 épices différentes dans leur curry. Avec encore des toppings au-dessus, vraiment, c'était super bon. J'ai encore les saveurs dans la bouche, tu vois, ça reste longtemps. J'aime trop, mec, c'était incroyable. Tant qu'à faire, c'est mon dernier jour à Kyoto, autant tester les gyoza les plus connus. Du Japon, ils ont gagné 2 années d'affilée et en plus, c'est vraiment pas cher. J'ai mis pour 4€ avec tout ça. Très très bon pour le prix. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour l'instant que j'ai jamais goûté. Ça m'a manqué ça quand je vais être en France. Bref, j'ai pris le dessert, je suis rentré à l'hôtel, j'ai fait mes lessives, j'ai fait le montage parce que demain, on part à Osaka. Alors, abonne-toi parce que tu peux vraiment pas louper ça.